Suivant la loi électorale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et à l'actuel régime, suivant l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé et accepté par tout le monde, nous voulons rester dans les cas de ce que nous avons accepté. Nous ne sommes pas ici en train d'imposer des choses nouvelles, c'est ce qui a été accepté par tout le monde. Faire autrement, c'est une tentative de tricherie que nous dénonçons à haute voix. Donc, si le gouvernement réalise toutes les mesures que vous proposez, est-ce que ce n'est pas appelé tout simplement à un nouveau report des élections ou à une période de transition? Pourquoi? Mais le nettoyage du fichier électoral, la mise en œuvre de la libération des prisonniers politiques, le nettoyage de la CENI, ce sont des choses qui vont prendre je voudrais vous rappeler aussi que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle à un seul tour. Et ça signifie en d'autres termes, quand l'OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, ce n'est pas une organisation congolaise ni de l'opposition, qui a audité à la demande de la CENI elle-même le fichier électoral et a fait ressortir que près de 25% des personnes enrôlées, non, quand on fait les cumuls, 16% c'est des personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Mais il y a des enfants, il y a des personnes non identifiées qui ont été réprises dans le fichier électoral. Je vais prendre l'hypothèse de 16%. Une élection à un seul tour, si vous avez un paquet de voix de 16% à côté, vous avez gagné les élections. Tout ce que nous demandons, et si vous me posez la question, qu'est-ce que nous proposons, c'est simple. En ce qui concerne par exemple le fichier électoral, c'est simple, nous avons demandé à la CENI de publier les fichiers électoraux. Et dans le cas d'un contrôle citoyen, nous allons nous mettre d'accord s'il faut élaguer ces gens qui ne sont pas identifiables pour les élaguer. Puisque ici, pour dire que monsieur là s'appelle André Moutombo, pour dire que c'est lui vraiment, c'est pas son empreinte digitale, c'est quoi la bonne. Monsieur Kamara, si vous n'êtes pas le candidat pour moi, est-ce que vous êtes prêt à soutenir un autre candidat? Absolument oui. Vous êtes sûr que ça ne sera pas commandé? Les consultations à Kinshasa, nous étions à certains endroits. Mais ici, on constate que Fayoum et Matoulou ne sont pas là. Ça va vous dire qu'ils sont solidaires de ces déclarations qui sont déjà faites. Évidemment, on est ensemble. Il s'est allé à Kinshasa dernièrement. Avant que nous payions, il faut savoir que nous sommes en contact. Et nos enfants ont réussi à ce qui s'est dégagé comme dans allez, par ici. Journaliste de la revue des Monsieur Moussa, par ici. Monsieur Mouzito, par ici. Voilà, c'est bon. Madame, c'est en fait, c'est irréalisable dans les deux temps. Non, comment c'est irréalisable? Élaguer les personnes en affaires militaires, c'est impossible. Décider aujourd'hui qu'on doit mettre de côté la machine à voter, dès lors que dans les cas du calendrier publié par la CENI, à partir du point 38 jusqu'au point 42, on ne parle pas de machine à voter, on parle de bulletins de vote. Et qui intervient à partir du mois de septembre, sur le mois de septembre, il me semble. C'est une question de volonté politique, tout simplement. Monsieur Kamara, votre degré de sincérité à vous tous ici rassemblés, parce que Monsieur Moïse est à votre côté, Monsieur Moïse et Monsieur Félix, je vous ai vu, vous n'avez jamais donné l'attestation de décès du rassemblement. Vous ne faites que multiplier les plateformes, les réunions. Est-ce que maintenant on peut dire que vous êtes sincère, vous êtes vraiment unis et vous êtes libre en venant ici en Belgique? Je ne sais pas ce que vous appelez tester les degrés de sincérité. Nous sommes en politique, il y a des enjeux, et les enjeux peuvent changer selon le moment. Il y a 2 ans, on ne parlait pas de machines à voter. Nous avions un autre combat. C'était non au troisième mandat. Vous n'avez pas dit qu'on n'a pas gagné ce combat-là. Monsieur Kamara, ça fait belle lurette que vous revendiquez tout ce que vous avez énoncé dans ces déclarations. Et Kabila, ou la Kabylie en face, n'a jamais répondu à aucun de vos, disons, aucune de vos demandes. Est-ce que la solution n'est pas tout simplement exiger une transition sans Kabila? Pourquoi vous ne l'évoquez pas, vous, opérateur politique de l'opposition? Nous sommes d'abord ici pour vous rappeler, peut-être que vous avez oublié, quand il y a eu des marches en janvier 2015, nous avons revendiqué qu'on puisse respecter la loi électorale et qu'on ne puisse pas conditionner la tenue des élections par l'organisation du recensement général de population, c'est une façon voilée de nous amener dans un délai tout à fait élastique pour les organisations. Vous ne pouvez pas me dire qu'on n'a pas obtenu cela.
Je dois vous rappeler, s'il y a eu des marches avec l'Église catholique, c'était pour dire non au troisième mandat. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on n'a pas gagné ce combat-là. Donc je peux vous énumérer toutes les victoires en grand. Je ne vais pas être pessimiste. Donc nous continuons. Bien sûr, nous devons le faire avec le peuple. On ne peut pas ici réfléchir sans tenir compte de ce que fait le peuple. Quand est-ce que vous allez considérer que votre une route de départ n'est plus réalisable et il faut qu'on passe à une étape suivante? Je pense qu'on va clôturer avant longtemps, on voulait dire. On va clôturer pour ce soir. Une dernière question, pourquoi attendre le 19 septembre pour nous donner une candidature commune? On se met à 3 mois des élections, pourquoi ne pas assumer déjà vous mettre d'accord sur un candidat commun? C'est une question à la fois stratégique et puis du réalisme politique. Aujourd'hui, si nous disons que les candidats pour mettre de l'opposition, c'est X, si vous apprenez que demain, on lui a coupé la tête, on fait quoi? La campagne électorale commence, pour ceux qui ne le savent pas, le 20 novembre, c'était le 21 décembre 2018, deux jours avant la tenue des élections. Et que les candidats qu'on met de l'opposition peuvent intervenir à tout moment, ce n'est pas un problème, mais nous pouvons le faire. Nous avons dit dans les meilleurs délais. Et donc, à chaque chose, son temps. Okay. Merci. Merci pour ce soir. Je pense qu'on va quand même arrêter. Merci. Vous avez quand même permis la session. Merci à chacun de vous. Je veux juste demander à la presse. On va libérer la session. Monsieur, allez-y. Je t'ai vu devant la main. Coco. Attention pour les appareils, avancez aussi. Ferme ça, regarde. Ferme ça, comme ça on sort.